It's a great moment for Ledger. Bigger screen, more memory, super responsive. It's perfect. We've announced our partnership with Lacroix just a few months ago. We're very pleased with this because it's happening in France with a French player, so two French companies working together. We're very proud to start production of the assembled printed circuit board for the Nano S Plus. For us, it's really like a flagship. Nous fabriquons la carte de la Nano S Plus dont on va pouvoir visualiser la production. C'est une ligne automatisée de composants montés en surface. D'accord. Donc là, vous avez reçu le PCB de votre fournisseur. Exactement. Et là, on le marque. C'est une opération de gravage, de marquage, qui va permettre ensuite d'assurer une traçabilité complète de tous les circuits. Cette opération de gravage laser, elle nous permet de garantir une traçabilité à 100% pour relier les lots des composants que l'on pose à chaque circuit que l'on fabrique pour Ledger. Et donc la première opération du process de fabrication, c'est une opération de sérigraphie. On a déposé cette substance grise et pâteuse qui contient cet alliage d'étain, d'argent et de cuivre. On va voir la raclette se déplacer et remplir l'ensemble des trous qui ont été percés dans cet écran de sérigraphie avec beaucoup de précision. Donc du coup, on peut passer maintenant au placement des composants. Ce sont des machines qui posent 100 000 composants heure. Les composants sont posés sur la crème, ils ne sont pas encore soudés. Ah d'accord. Et ça, c'est l'opération suivante qui va se faire dans ce four de refusion. Donc l'alliage va passer à l'état liquide et lorsqu'il va ensuite refroidir, ça va garantir une soudure de chaque composant sur la carte. This kind of product where we can manufacture in just a couple of hours is really a state of the art. In our conception for this plant and with the new means, the new highly automated manufacturing approach, we could be as competitive as the low-cost countries and at the same time to be local, to be able to work very closely with Ledger. C'est vrai que sur le Nano S Plus, on va avoir deux composants qui vont être particulièrement critiques. On va avoir le Secure Element qui va gérer toutes les crypto-monnaies de l'utilisateur. Et puis on va avoir le MCU, donc le composant non sécurisé, mais qui assure la liaison avec le monde extérieur. Donc effectivement, on veut vérifier que tout marche bien. Quoi. On va vérifier que l'ensemble des composants sont au bon endroit et que l'ensemble des joints soudés sont conformes à la norme. Alors ça, c'est une opération évidemment qui est clé. Donc on a une interface qui est spécifiquement faite pour la carte Nano S Plus qui va, à partir d'un lit à clous, se connecter à toutes les écus potentielles de la carte et qui va permettre de vérifier qu'il n'y a aucun court-circuit, qu'il n'y a pas de circuit ouvert, donc que tout l'aspect continuité électrique est satisfaisant. It's very important that we focus on those industries that are around us and that will support us for a long time. And so being in France, being in Europe, we think it's important. Donc on arrive à la dernière opération. D'ailleurs, on a notre taxi qui arrive. Voilà. Et là, wow, voilà, ça tombe tout seul. Voilà. Salut. From my perspective, bringing the Nano S Plus to market is a huge step forward in having the most secure hardware for Web3, cryptocurrency, digital assets, NFT, call it what you want, and having people really have the access to security in this world. Vierzon is our hardware assembly line. Donc on va pouvoir voir étape par étape en quoi ça consiste d'assembler un Nano S Plus. This is really where the magic is happening for Ledger.